In time, you will know the tragic extent of my failings. Et nous sommes de retour. Donc la dernière fois, on avait combattu le... J'allais dire le bison, mais non, c'est pas un bison. Le baron. Et en deux fois, en fait, on l'a fait. Bon, il reset de toute façon entre les essais, mais ouais, on a dû fuir la première fois. Parce qu'on avait une équipe de merde. Hein, faut le dire, honnêtement, on avait une équipe de merde. Et la deuxième fois, c'est très bien passé. Moi, peut-être que je mens un peu sur le très bien passé. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Et du coup, ça a soigné tout le monde. Donc, on n'a plus de gens vampires. On n'a plus de vampires. Donc, ça, c'est cool. Donc, maintenant, on a eu une nouvelle invitation du vicomte, par contre, cette fois. Un dîner répugnant, apparemment. on a des objets pas vraiment bien, honnêtement. Ouais, bof. Mais en tout cas, c'est devenu champion. Voilà, tout ça, j'étais en train de réfléchir. Mais voilà, c'est donc devenu champion. Et je voulais faire un test, en fait, parce que c'est encore du épique. Hein, il y a écrit encore épique. Donc ça va être la même chose. Donc une très grande zone et tout ça. Qui est plutôt fun, en fait. Qui est vraiment fun à visiter à chaque fois. Et on voulait donc tester... Attendez, c'est où ? Tester de prendre une... J'ai vraiment la roulette de ma souris qui pète un câble. Tester une antiquaire, mais on l'a fait se reposer, du coup. Donc, du coup, on va faire autre chose, voilà. Donc, on peut faire du vétéran avec le vinificateur. Je suis pas très fan, parce que, de toute façon, on va sûrement... on va sûrement se faire empoisonner. Enfin, on va devenir des vampires et tout ça. Et j'ai pas envie de revenir pour ça. Donc, on va faire autre chose. On va faire ou la crique ou le wild pour aller récupérer des objets. Slash, on essaye de monter les niveaux. Après, il y avait un truc intéressant, je crois, quelque part. Non, pas vraiment en fait. Non, mais on va devoir faire le wild ou la crique. Comme ça, on monte au niveau 7. Je crois que c'est le plus intéressant à faire. Donc on a des cours où on a un moyen, marée douce, pour la pieuse de tombe. Je crois qu'on l'a déjà ça, pieuse de tombe. Ouais, on l'a déjà. Je crois qu'on a tout en fait, hein. Il n'y a rien de très très intéressant. Compétence à distance, précision plus 10. Oui, arrête de parler, merci. Ouais, c'est pas très très... Alors, si on fait du moyen vétéran, vas-y, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut toujours faire un run argent. Ça, c'est toujours valide, hein, honnêtement. Hein, c'est vraiment toujours valide. Donc, pourquoi pas? Parce qu'en plus, on a besoin d'avoir un peu plus d'antiquaire, en fait, niveau 6. Parce qu'on n'en a qu'une seule. Alors, Ponte, elle est bien, mais honnêtement, c'est vraiment pas mon kiff de jouer ces personnages-là. On a Montag, je veux bien un croisé. Je veux bien un deuxième croisé, par contre. Parce qu'on en a qu'un seul de haut niveau. Je sais même plus comment il s'appelle, notre croisé de haut niveau. Il est où? Faram, bah oui, Faram, du coup. Oui, on a que Faram. Donc pourquoi pas un croisé. Donc croisé. En fait, je vais prendre les classes dont on a besoin. Donc croisé, c'est bien. Antiquaire, c'est bien. Il y a Woodville qui est en train de déstresser en fait. Donc du coup, on peut pas le prendre. Il y a Ponte qui est bof. Après, on peut prendre un niveau 3 aussi. On peut prendre des niveaux 3. Là, on a d'autres croisés. On a lui. Je sais pas s'il peut vraiment être intéressant. Genre l'abomination, est-ce que ça sert vraiment à de l'augmenter?
Ah, c'est vrai que l'arbalétrière, elle a ça, quoi. C'est... On est d'accord qu'en théorie, l'arbalétrière est nettement mieux que que Ponte, du coup. Alors, Ponte, elle a ça, parce que moi, je voulais faire un soin, donc j'ai gardé ça. Mais l'arbalétrière, en théorie, avec l'enthousiasme extrême, on est d'accord qu'elle est faite pour faire du one-shot, en fait. Genre 25% de dégâts, c'est énorme. Après, t'as du crit en plus. À la limite, il faudrait comment, il faudrait la stuffer en truc de critique là. Comment ça s'appelle? Fais voir. Précision et crit, mais c'est pas ça que je veux. Pas ça non plus. Je crois que c'était bleu. Je m'en rappelle plus. Précision et critique. Ça, c'est critique en position 4. C'est ça. Critique 12%. Précision critique. Esquive 1. Genre la breloque donne 5. Donc du coup elle aurait 24 de base. Ça c'est la breloque qui est comptée. Ça ferait 29 de base. Le mieux, ça serait... Après, elle... Ouais, 8. 8, ça ferait... Ah, ça fait beaucoup. Ça fait 11 de vitesse. C'est chaud d'avoir quelqu'un qui fasse mieux qu'elle. Hein. Le problème, c'est ça, en fait. C'est le fait que la vitesse soit augmentée. Honnêtement, parce que je préférais qu'on puisse marquer quelqu'un. Marquer, et après, elle tire. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Attendez, on va regarder par classe. Ça c'est destin, destin peut-être. Faut qu'on monte un autre brise-bouclier aussi, parce qu'on n'en a qu'un seul et je voudrais en avoir un deuxième. Ah oui, toi t'es pas augmenté, toi si. Ah, c'est compliqué, hein, parce que là, en fait, on a, en théorie, et puis en plus, elle a rage, mais lol. En théorie, on est d'accord qu'on a une arbalétrière complètement pétée. D'accord. On aurait ça au premier tour, avec du crit, du dégât, machin, rage en plus. Ouais, ça pourrait être intéressant. Mais bon, vu que c'est de la merde, tout ce qui est tir, honnêtement, j'aime pas. Je suis désolé, mais ça marche pas la plupart du temps. Marche pas. Voilà. Donc non. Par classe. Après, je veux bien augmenter Ponte, parce que bon, voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est pas très intéressant. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut un soin en fait, de toute façon. Il nous faut un soin. Ponte, elle va pas assez soigner. Est-ce que ça marcherait un groupe comme ça? Est-ce que ça marcherait? J'ai bien envie de tester.
bien envie de tester, moi. L'antiquaire, par contre, est-ce que on a la meilleure? Parce que en fait, on en a plusieurs. Non, on n'a pas la meilleure. Donc ça, c'est des 4. Ça, c'est un 3. Mais elle a endurance et vitesse. Toi, t'as quoi? Précision. Vitesse 4, premier tour. Ouais, en fait, toi, t'es quand même mieux. Endurance et vitesse 4, esquive, premier tour. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est chiant. Ouais, donc toi, il faudrait t'augmenter. Bon, on va te garder. Bon, vous êtes prêts à... On va reculer, on va... on va y aller. Ça va mal se passer, puis on fera autre chose. On a... Oui, 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 lui qui nous donne... Empêche les embuscades nocturnes, très bien. Infection, soin... Esquive. Allez. Moi je dis, pourquoi pas tenter. Je sens que je vais regretter, comme d'habitude, parce que là on essaye de faire un truc complètement débile. Donc je sens que je vais regretter. Et je commence à avoir l'habitude hein, de regretter tout ce que je fais. Quand je teste un truc genre un peu spécial et tout ça, ça se passe tout le temps très mal. Faut être honnête, hein. Faut être honnête. Faut être honnête, ça se passe toujours très mal. Ok, nickel. Je crois qu'on va les baser sur la... J'ai vraiment un problème avec, avec ma souris, en fait. La molette, ça me rend fou. On va... Après, on a les cours aussi. Les cours, ça peut être pas mal. Mais... activer les pierres protectrices. Faire les combats. Ah, activer les pierres protectrices, je dis pas non. Moi. On a qu'à faire ça. On la met en quatrième. Elle en troisième. 2. Toi, tu peux te mettre devant, du coup. Ok, très bien. Allez, c'est parti. On peut faire un long ou un moyen. Enfin, non, un court ou un moyen. Je pense qu'on va faire un moyen. Oh putain, mais la souris, quoi. Je m'énervais. Alors, déjà, toi. Alors, précision et crit. Compétence de soins 33%. Elle a 11 d'esquive. Je crois que c'est une mauvaise idée. On a l'œil, précision et vitesse. Précision, vitesse et compétence de soins. Ouais. Précision, vitesse, ouais, on peut mettre ça à la place. Toi, je veux bien te mettre le soin. Très bien. Et on va te mettre l'esquive. Toi, mon cher, bam. On va te mettre aussi de l'esquive. Toi, mon cher. Ah, pointe de la lance crochue. J'avais même pas vu qu'on avait eu ça. Dégâts 35% contre les marqués. Ah oui, 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 je me rappelle maintenant. Ah oui, c'est vrai que c'était pas mal ça. Ouais, faudra retester. Et je voudrais de l'esquive. Donc on a un 15% ici. Très bien. Enfin, 15 plus 15. Donc. On est pas mal, en théorie. Donc on va faire ça. Ouais. Ce qui m'embête, c'est que ouais, on est un peu plein là à chaque fois, ça c'est chiant. Quatre.
Ouais, le problème c'est que on est plein de chez plein. Donc on va essayer de faire les combats d'abord. On va essayer d'avancer, faire du combat en premier. Puis après on verra. Pour essayer de se vider l'inventaire à un certain moment. Flopping fish-like things abhor the warding sigils. Let us claim this place anew. Marche. Fait chier. Évidemment, on a une ligne droite. Ah. Glittering gold, trinkets and Alors, ça baubles, commence. paid for in blood. Évidemment, on est en ligne droite, donc du coup, faire un aller-retour, c'est pas vraiment conseillé. Another mariner, another misfortune. Allez, on va voir un peu comment ça se passe. Ok. Ah oui, c'est vrai que si on fait ça, on va avoir de la lumière assez facilement. Oui, ça c'est bien ça. Va falloir soigner un peu. Boum. Ça fait des dégâts, ça? Oui. Confidence surges as the enemy crumbles. Très bien. Ça peut aller. Ça peut aller. De la merde. Their formation is broken. Maintain the offensive. 50 de protection, ça va être un peu catastrophique. Oh, parfait. Masterfully executed. Joli, 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 joli. Boum. Press this advantage. Give them no quarter. Ok, très bien. En fait, faudrait camper là et après on peut faire des allers-retours si jamais on est trop plein. Mais là, du coup... merde, ça va. Et là, du coup, on peut pas vraiment faire un aller-retour comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a vraiment de chiant? Les deux, ça, ils sont en emmerdant. Voilà. Ok, bon bah...
Tout le monde est pareil. Tout le monde est à la même école. Ken. Bien. Le truc c'est que pour les runs vétérans ou novices, faire ça, genre de pas avoir de healer, de vrai healer, ça marche la plupart du temps. Je vais être honnête, parce que nos personnages sont augmentés, on a des babioles très rares et tout ça. Donc ça marche. Après, faut voir en champion si on peut le faire. Ça, c'est une autre histoire à chaque fois. Parce que en vétéran, quand on a une esquive de 40 à 50, honnêtement, eux, ils doivent avoir 5% de précision, je pense. Je pense, hein. Voilà. On n'a même pas vraiment besoin d'augmenter les attaques vraiment beaucoup. Très bien. Que lui qui est résistant, c'est relou. Ça. On va soigner un peu. Ouais, 7 de soins, c'est pas mal. 6 là, ouais, non, c'est pas mal. Très joli. Quoi ça? Ah, le Vestal. Ouais, non, ça va. Ouais, déjà. Ça va. Ça. Toujours pas de quête. Bon, tous être là du coup. Ah merde, j'étais sur la mauvaise. Oh là là, chier. J'étais sur la mauvaise. On va se reposer là, je pense. Ouais. Pas mal. Attends. Objectif de quête. Ok. Ok, cool. Ça va. A fortune. Waiting to be spent. Ça va. Ah non. Eh oui, j'ai oublié le les objets pour enlever le stress. Parce que si elle dort, on risque d'avoir l'événement là. Aïe aïe aïe. Toujours pareil, hein. Toujours la même erreur.
lit, the path is clear. We require only the strength to follow it. Pas mal. Pas mal, monsieur le poisson. Oh. Ah non, ça c'est chiant ça. Non, ça c'est chiant. Aïe 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 aïe. Ah toi tu vas mourir. Faudrait avoir la même. Faudrait avoir la même chose sur notre mousquetaire là, le truc de l'arbalétrière là. Ou le premier tour, elle a plein de buff. Ça serait vraiment bien. Très bien. Ah non, il y a un pixel lui aussi, là. Vous voyez le pixel là? Oh. Ils les ont tous, ouais. Celui-là de base, non. Non. Ah, c'est con, pourtant j'aime bien cette. Bon, c'est pas aussi voyant que l'autre, mais. Mais il y a un pixel là, noir. Oh, c'est pas grave, avec de la chance, je vais oublier. Ah, j'aime pas quand c'est. C'est pas, c'est, en fait, sur ce cet endroit-là, où c'est toujours bleu, on arrive vachement à voir s'il y a un problème avec les pixels, en fait. Ah là là, ça me gâche le truc. Hein. Ah, ça m'emmerde, ça. Aïe, aïe, aïe. C'est con parce que j'aime beaucoup ce skin en fait. C'est le casque est vraiment cool. Ah, ça change juste le casque, mais ça change les couleurs aussi, donc c'est les couleurs qu'on merdait. On peut le mettre comme ça. En 3. Aïe aïe aïe. Putain, faites attention quand vous faites des skins. Ça m'embête. Enfin, bref. Alors, ça. La chance nous sourit. Ah là là, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. J'aime bien moi ce. J'aime bien ce skin. Ouais, que je dis que quand il est en combat, sinon après le reste ça va. Bref, on va camper. A spark without kindling. It's a goal without hope. Ah, j'aime bien parce qu'on campe avec la statue derrière, c'est classe. C'est classe. Alors, empêche les embuscades nocturnes. Lumière, accorde-moi la force de surmonter tout ce qui se dressera sur notre chemin. Alors... Toi... Précision dégâts écrits. Ah, vous imaginez précision dégâts écrits en plus de l'habilité de l'autre là?
Oh la vache. Perçage d'armure pour tous les compagnons. Tout a un point faible. Parce que ça, je veux bien le tester, parce qu'on le fait jamais en fait. Non, ça c'est pas vraiment très utile. J'aime bien ça en fait, personnellement. Sur le tank. Elle fait des merveilles. Formule. Ah, j'aime bien, les tanks, j'aime bien quand ils sont résistants en fait à tout ça là, tous ces malus et tout. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Ah, c'est con, j'ai plus d'herbe pour enlever le malus. Oh, c'est parti. Voilà, là ça fait chier. The Viper seeks to claim its quarry at last. Ok. Singular strike. Pas mal. Ah. Section 4. Je sais pas. Tiens! A brilliant confluence of skill and purpose. Bien, 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 bien. Tout simplement tirer. Pour le moment, on veut défoncer le truc. Ah, ça fait chier. Mu. Oula. Oh, c'est pour soigner, ok. Ça enlève les infections et tout ça. Oh la vache. Voilà, comme ça on n'en parle plus. Très bien. Ce serait bien qu'on arrive... Enfin, normal, peut-être avec de la chance on peut le tuer. Avant qu'elle devienne folle. Ouais, ça devrait être bon. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Je suis coincé dans un amas de cadavres et de débris. Mon bras est bloqué. Le serpent apparaît silencieusement de derrière un rocher, sa langue goûtant l'air environnant. La morsure est rapide, le venin lent. Mes veines se refroidissent alors que le venin remonte peu à peu dans mon bras, m'obligeant à faire un choix terrible. Ah, c'est pour ça qu'elles ont la main coupée. Parce que je me demandais, ça c'est bien le bras coupé là. On est d'accord. PV max 33%. Such a burden of finery risks life and limb. 33%. Ouais, ça on va le prendre. Hmm.
Non, on va pas prendre les torts. Ah, quoi que, non, ça va, c'est que deux bouffes, ça va. On va prendre les écailles au cas où. C'est ouf. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. C'est super élevé. Nickel. Ah ben là, si on veut jouer avec plusieurs brise-boucliers, ouais non, ça vaut le coup. Hein. Je crois que 33% c'est extrêmement élevé. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. C'est bien parce qu'on avait du... Je crois 76 de lumière. Et du coup avec son habilité là ça a monté à 100. Donc du coup ça fait économiser énormément de torches en fait quand on y pense. On va devoir soigner un peu par contre. Pam, pam, pam. Obliterated. J'aime bien parce que c'est Montag qui esquive le plus souvent hein, quand même faut le dire. C'est lui qui esquive le plus souvent. Et c'est lui, je crois, qui a le moins d'esquive. Attends. Ah, merde. Très bien. Ah, le stress, on gère bien, vu qu'on esquive tout le temps, là. Comme d'habitude, hein, l'esquive, hein, ça... Ça résout énormément de problèmes. Elle a quand même un super soin, hein, je veux pas dire. Un soin solo, il est quand même vachement bien. Quand on y pense, hein, quand on la compare contre un... Ça marche, Un vrai soigneur. Grievous injury. Aïe aïe. Palpable. Ah, il s'est pris un saignement. Ah, ça va. On a du sang. Ah bah tiens. On a du sang. Je pense pas que ce soit vraiment très utile. Tiens, boum. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Parfait. Laden with loot are often low on supplies. Mm.
Stack curio, on a des pelles. Alors on peut faire comme ça et après revenir. Ah, donc je me demandais ça, si c'était vraiment sa main qu'elle avait coupée et tout ça. En fait, ouais, c'est bien ça. C'est vraiment ça. Oh, oh oui, j'aurais dû pas... Ah, c'est pas grave. In Radiance, may we find victory. Oh, le collecteur. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, toi. Ok, faut faire gaffe aux soins, par contre. On est un peu limité, mais bon, on peut lui faire des dégâts directement. Du coup, il va surtout stun. Pendant que le 1 et le 4, on défonce le collecteur directement. La tête. Il me fait rire à chaque fois. On a déjà fait deux fois. Ah non, on a fait qu'une fois. Ah non. Saloperie. Tiens, on pourrait lui mettre une infection. 4 points. 7 à 14. 9 à 17. Ouais, pas mal l'infection là. En plus, en critique, donc ça dure 5 tours. Aïe 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 aïe. A momentary abatement. Oh yo, oh yo, oh. Oh yo. Oh yo. Espèce de saloperie, va. Tiens, voilà, t'es mort. A predator is often blind to its own peril. Plein de machins, quoi. Push on to the task's end. Il nous reste un objectif de quête, on est d'accord. Ouais. Attends, on a plein de clés, ça sert à rien. A handsome reward for a task well performed. Chaud quand même. Voilà, on garde les écailles mystérieuses, je crois que ça sert à rien en fait. Enfin, ça sert à rien pour notre run. Si on les utilise pas, c'est du gâché, quoi. Alors,
objectif de quête là. Okay, ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Alors je pense qu'on va faire demi-tour. Et on va aller là-bas. Et on finit par la salle secrète. Ah non, c'est encore un truc. Putain, c'est con. J'aurais pas le... les objets pour enlever les problèmes. Ah, ça serait vraiment bien. C'est vrai qu'il faut que j'y pense à ça. Pour enlever les mauvais attributs, là. Chaque fois, je fais la même erreur. J'ai tellement pas l'habitude de venir ici. On y vient très rarement, au final. Sale poisson, va. Oh, doucement. Sans déconner, quoi, les mecs. Très bien. The blood quickens. Voilà. Executed with impunity. Commence à être un peu bas en vie, ça c'est à cause du collecteur surtout. On n'arrive pas vraiment... Enfin, je me concentre pas énormément non plus sur le soin. J'avoue. Là, j'aurais pu stun, par exemple. Parce que je savais que j'allais pas le tuer. Hop là. Très bien. Success, so... Les écailles, on n'a pas besoin de les transporter avec... Ah, tais-toi. On n'a pas besoin de les transporter avec nous pour les rentrer à la maison, hein, on est d'accord. Je m'en fous, moi, des écailles. En théorie. On a besoin d'une pelle? Non. Non, ça c'est con. Une clé. Voilà. Terrors may indeed stalk these shadows, but yonder, a glint of gold. Oh! Il faut ça. Alors attends. Hop, hop. Hop. Ah! Alors. Critique moins 5 si PV inférieur à 50%. Ouais, ça c'est chiant ça. Voilà. Hop là! Eh, là c'est bien joué là. Là c'est bien joué là, non? Je suis assez content de moi. C'est très potable comme résultat. 34, tranquille. Tout le monde 4. Ah, même pas 5. Okay. Alors, réflexe 2. Vitesse 2, pardon. Ah, c'est hippocratique. Ça, c'est pas mal. Compétence de soins, 20%. Ça peut être pas mal pour elle, parce que si on prend un peu les... The frothing waters subside. The advantage is ours.
Si on prend les antiquaires un peu pour des soins de temps en temps, ça peut vraiment aider. Marée douce, des marins superstitieux se sont réjouis plus tôt aujourd'hui en apprenant qu'un mal surnaturel indicible ne menace plus leur cargaison. Alors, sort de la maison close avec un air heureux après une soirée mémorable. Vitesse plus 6, putain. Dreux se déplace pesamment après une longue suite d'épreuves. Excuse-moi ça. Non. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que j'en ai marre de ces gens-là. Oh, encore un cristal, c'est bien. Oh! Dégâts 25% si en position 4. Genre d'inflamme, malus 30%, compétence de soins, moins 50%. Ah, merde. Ah putain, c'est vraiment pour la changer en dégâts, en fait. Ah, c'est pas mal. Hein. Il y a ça aussi, j'en voudrais plusieurs. Ah, c'est pas mal, hein. Mais bon. Ouais, ça serait pas mal. Ah tiens, on a un champion pour le sang cette fois. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on avait dit que toi, tu pourrais être intéressante. Alors, endurance sur ses gardes. Et compétences de soins. Donc toi, tu vas... Ouais, on va faire les compétences de soins. Parce que je veux avoir une antiquaire qui pourrait soigner, en fait. Après... Passion divine, je sais pas ce que c'est ça. Stress plus important contre les bêtes. Ouais, bof. C'est pas très très... pas très très problématique honnêtement. Vitesse plus 2, je pense que c'est sympa, mais sans plus. Bon, on va faire ça. Vétéran, vicomte. Par contre, la question c'est qui on va prendre. Vous savez quoi, moi je vais me préparer, je prendrai à boire et tout ça. Et on va se lancer dans le... la course épique champion, et je vais me faire une équipe. Je vais réfléchir vite fait. Je pense qu'on va prendre Thomas. Je pense qu'on va prendre Jester Thomas. Après, on a notre... ouais, on a elle aussi, mais bon, elle a maintenant une esquive moins 5 parce que voilà, elle a trop bu. Elle a rien de très intéressant en plus. Elle a vraiment rien de très intéressant. Mais on avait dit que peut-être on peut faire ça pour faire de l'argent. Je vais voir. Par contre, si on reste longtemps, il faudrait un jester. Donc en gros ça serait... Ah putain, mais ça fait pas beaucoup de dégâts du coup. Genre ça, comme ça. Avec, je sais pas, Gwendoline et le mieux ça serait un... Ça serait un flagellant honnêtement. «
genre duel, genre comme ça. Mais là, du coup, on a... Les dégâts, on a quasiment rien en dégâts. Après, il faudrait que lui, je le joue en dégâts, mais je sais pas vraiment le jouer en dégâts, en fait. Je crois que c'est comme ça, en fait. Genre, je fais un peu de musique. Après, je fais ça et je fais l'attaque. Et ça fait super mal, en théorie. Voilà, c'est, ouais, c'est comme ça que je crois qu'on peut le faire. Frénésie de l'argent, ça c'est horrible par contre, ça va être chiant. Ah oui, mais Gwendoline, toi t'es pas prêt. Toi t'es pas équipé pour être joué en deux en fait. Prodige, soin reçu, PV max et le stress en moins, c'est pas mal. L'autre elle a quoi? La vitesse esquive. Ah, elle a sur ses gardes. Ah, ça peut être intéressant sur ses gardes. Attends. Toi il va falloir qu'on te mette au sénatorium en fait. Sur ses gardes. Oh, 12 000. Ouh, j'aurais voulu ne pas le voir celui-là. Oh, ça fait mal. Ouf. Ouais. Ah, la vache. Eh ouais, on vient de balancer 12 000. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye ça. On regarde si ça marche. Et le jester, là, on l'équipe. Hein. On va devoir augmenter ça. Je sais pas, je vais voir. Je vais faire une pause. Moi, je vais me renseigner. Je vais regarder. Genre, si ça vaut le coup de faire des bouffons dégâts. Voir si ça marche, si ça aide. Puis voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Si on n'utilise pas le final. On peut tout simplement faire ça. Honnêtement, ça, je pense que c'est le moins dangereux. De mettre des dots. Ouais, mais ça fait beaucoup de dots entre les deux. C'est pas mal. Hein. Par contre, ouais, non, Gwendoline, il faut lui enlever des trucs. Enfin, il faut lui rajouter genre ça, par exemple, la main abyssale pour le stun. En plus, on peut stun à foison là-dedans, parce qu'il n'y a pas de problème avec les torches. Donc oui, ça c'est vachement bien. Ok, je pense qu'on va essayer cette équipe. Si ça, de toute façon, si ça marche pas, on se casse, tout simplement. Si ça marche pas, on se casse direct. Il n'y a pas de problème. Ok, petite pause, je reviens. Ok, donc on est de retour. Pour moi, c'est le lendemain, mais c'est pas grave. Donc on a notre antiquaire qui est équipé en esquive et vitesse. On a le bouffon, esquive et le tambourin. On a l'occultiste, esquive et le chaudron parce que... Ah bah tiens. Ça. Ça. Ouais, c'est pas mal. La main abyssale va être vachement bien. Surtout que torche moins 5, là en fait on s'en fout. Donc tant mieux. Et on a ça pour baisser les dégâts et la protection. Ça peut être bien contre les boss ou les gros trucs. Et là on a Druel qui est équipé avec... de l'infection, saignement, maladie, résistance, et après le saut du martyr. Je pense que c'est pas mal parce qu'on le joue un peu plus sur la limite en fait de mourir à chaque fois. Donc ça, c'est, je pense que c'est pas mal de le jouer comme ça. Donc on va faire ça. On va remettre du soin pour elle, juste au cas où. Toi, tu vas garder tes attaques de saignement. Là, on a du stun et là, on a le dot. Ok, c'est parti. C'est parti. Non, c'est ça. Pam, 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 pam. Enfin, des clés, honnêtement, on n'en a pas vraiment trop l'utilité à chaque fois. Attendez, ça. Des torches. Euh,
Les pelles, on en a besoin pas mal en fait. On va peut-être prendre deux sets de pelles, je sais pas trop. Bon, on a un peu d'argent de côté de toute façon. Après, j'ai pensé, je pense que je vais prendre un peu de sang. Juste au cas où, parce qu'on va sûrement se faire contaminer. Donc je me dis que le sang, ça peut être utile. Donc ouais, ça fait pas beaucoup de place, hein. C'est un peu le problème de ces épiques là. C'est long, donc il faut un peu de tout. Mais il n'y a pas tout qui est très utile souvent en fait. Ouais, c'est bon. The feasting and revelry would last for weeks at a time. Great stone tables were set with such an abundance of rare delicacies that we would stuff ourselves until the exotic became mundane. When the lavish spread began to spoil, a ravenous gourmand gleefully proposed that we sample from the fetid pile of composting refuse. The notion was dismissed as decidedly unhealthy. But days later, he was found cackling madly atop a heap of rancid comestibles, licking his fingers in delight. Donc on avait le baron là, c'est ça le baron, qui aimait torturer les gens, qui prenait du plaisir à torturer les gens, mais pas dans le côté fun, hein, dans, vraiment dans le côté torture pour tuer. Et maintenant on a le vicomte qui aime manger un peu trop. Il bouffe même les trucs avariés et tout ça, donc il doit vraiment être dégueulasse. The corpulent braggart could never eat his fill. Let him dine on sharpened steel tonight. Ok. Wow, beau repérage. Wow, beau repérage. Faudrait qu'on ait peut-être des classes pour le repérage. Ça c'est une torche. Ouais. Que de la merde pour le moment. Bah, sauf la pièce. Donc on a une porte bleue verrouillée déjà. Commence bien. Ok, surprise. C'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord lui. D'accord. Commence bien. Très bien. Je pense que cette équipe devrait être ok. Ça devrait bien se passer. Oh, il a résisté le stun. Attends, toi tu... Faire ça. On aurait dû peut-être buffer tout le monde encore une fois, juste avant de... J'en sais rien. Ça c'est pas trop grave honnêtement. Voilà, parfait. On peut te taper? Tu peux, Druel, tu peux jouer ou pas? Avant le moustique, ça serait bien. Ouais, merci. Voilà. Ouais, parce que normalement, c'est lui qui joue en premier, il a une grande vitesse. On va rajouter un peu de saignement pour aller plus vite. On va pas rester trop longtemps hein, dans le truc, parce qu'on va sûrement être plein très très vite. Et faut être honnête, plus on reste longtemps en fait, et plus c'est du gâchis, parce qu'on peut plus porter les choses, donc on les jette.
Donc le mieux, ça serait quand même de faire beaucoup plus de runs que ce qu'on a fait la dernière fois. La dernière fois, je crois qu'on a fait 3 runs en tout. Et 3 runs à quasiment tout faire, en fait. Donc on en a balancé des choses, hein, au final. On en a balancé un bon paquet. Ok. On va aller en bas, tiens. On va aller en bas. La dernière fois, on était allé en haut, je crois, dans le celui d'avant, d'Epic. Ah, ok. On va aller en bas après. Toi. A singular strike. Très bien. Ah non, non, la protège pas. Ok, ça va. Faut qu'on la stun, elle. Merde, déjà. Oh là là. Ah, chier. Super. Oh. Ça y est. Gwendoline, notre premier vampire. Bon, ça va, toi tu crèveras dans 2 tours. J'aime bien les tentacules qui sortent là pour stun. Ça serait bien qu'elle reste sur le la créature en fait, genre qu'elle le maintienne au sol. Le temps du stun, ça serait stylé. Ouais, ça va. The slow death, unforeseen, unforgiving. Évidemment. Évidemment. Très bien. Et il est mort. Slowly, gently. Pardon. Toi... Quoique... Toi. Comme ça... Je pense que l'Onyx il va sauter, hein, de toute façon. C'est jamais un truc qu'on garde dans l'inventaire très longtemps. Très bien... Portrait... Portrait à la place de l'Onyx. Comme ça, peut-être. Je sais pas. On a déjà 5 de sang et on a un vampire, c'est bien. Par rapport à comment elle se débrouille cette équipe, après je changerai peut-être. Quelqu'un qui peut repérer, ça c'est pour le stress, ouais. Quelqu'un qui peut faire du repérage, ça pourrait être pas mal. Parce qu'on a du repérage automatique en fait, mais c'est pas du vrai repérage du coup. Genre là, ce qu'on a fait, de voir ça là, je crois que ça c'était du repérage par rapport... Ah mais on est bloqué en fait, c'est un cul-de-sac. Je crois que ça c'était du repérage que notre équipe a fait. Du coup c'est pour ça qu'on voit ce qu'il y a dans les couloirs et tout ça. Mais après il y a le repérage normal pour avancer en fait. Donc peut-être une personne avec repérage amélioré. Ou alors peut-être une babiole. Une babiole qui existe. Je sais pas. Ouais, du coup là. Porte bleue. Hein, il nous faut une clé bleue. Ok, ça. Ah, j'avais dit que les pelles c'était important. Hein. Finding the stuff is only the first test. Très bien. Now it must be carried home. Pas faire ça.
C'est plus rare, je crois. Ah, je sais plus l'ordre, mais bon. Les blasons, on en a... C'est pas le plus rare. Ça, c'est... du stress. Esquive, bien. Puis après, ça serait bien de pouvoir faire... Ouais, ça, c'est du repérage à nous, ça, par contre. Ouais, et on a vu deux salles en plus. Ça serait bien qu'on ait la même équipe, comme ça, on essaye d'éviter le plus possible ça, en fait. Très bien, toi, t'as soif. Eh ben, ça va vite les pelles. 300. Ça va très vite les pelles. On va d'abord tuer les deux derrière. Je pense. Si on y arrive. Inspiration and improvement. Très bien. Ah, doucement. The will to fight falters. On va bloquer cette merde. Évidemment, on se concentre tous sur ça. Voilà. Je fais partie des dieux, carrément. Ah, enfin, c'est pas faux. Techniquement, Gwendolyn, c'est pas faux. C'est bon. Ah merde, attends, il était déjà stun, ouais. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû le débuffer à la place. Genre lui baisser les dégâts et tout ça. Oh la vache! Oh non, 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 oh, putain. Sans déconner! Incroyable quoi. On va faire ça parce qu'on a toujours la marque. Ouais, quoi qu'on aurait pu se soigner à la limite. On verra. Quelle merde. Ah, parfait. Ah, c'est fou, hein. On doit pas avoir une bonne esquive, en fait. Enfin, pas une assez bonne esquive pour le niveau. C'est ça, le problème. Faudrait peut-être augmenter encore plus l'esquive. Oh là là, sans déconner quoi. Bon, après ça se passe, hein. C'est juste que bah, des fois on a des frayeurs apparemment.
Très bien. On a des petites frayeurs de temps en temps. On est pas mal plein. On est pas mal plein. Il y a l'Onyx qu'on peut jarter, et après on peut jarter les contrats à la limite. Ah, j'aurais dû saigner ceux de devant en fait, parce que c'est les plus chiants. Putain mais... Vive les... Sans déconner quoi, 113 de résistance d'infection, bordel. Ah, toi aussi. On va pas rester très longtemps, donc j'utilise les objets. Il a plus 67% de stress. Oh là là, on esquive plus rien. C'est quoi ce bordel? J'arrive même pas à tuer quoi. Soigner un peu quand même. As the fiend falls, a faint hope blossoms. C'est marrant parce que des fois ça dit résistance, des fois non. Donc en gros, il y a une chance que l'attaque soit maudite et après il y a une chance de la résister, j'ai l'impression. Ouais, l'équipe est pas si mal. À la limite, à la place de l'antiquaire, il faudrait mettre... Ils ont beaucoup de résistance à l'infection ? Non. Ah, le chien ! Le chien est toujours bien. Le chien reste toujours très très intéressant avec le saignement. C'est juste pour avoir plus de dots, plus de dégâts en fait, parce que là on... Là faut être honnête, c'est un peu lent en fait. Oh, non mais t'es sérieux là? Je peux mourir, merci. Ouais, comme ça.
Ouais, le chien à la place de l'antiquaire. Enfin, du coup, on aurait un peu moins d'argent, mais... Est-ce que c'est grave après d'avoir moins d'argent? On n'arrive même pas à faire un stack d'argent entier, quoi. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. Ouais, celui-là on peut le garder maintenant. Qu'est-ce qu'on peut enlever? On enlève une pelle. Après, j'ai pris l'antiquaire parce que ouais, je pensais que... Enfin, après, oui, non, si, c'est bien. On a 2500, on a ça, x 10. Puis une antiquité rare. Et on n'a pas fait grand-chose non plus. Donc ça va. C'est rentable, c'est rentable. Après, est-ce que c'est un peu dangereux? Je pense que le groupe est pas assez puissant, en fait. Surtout point de vue soins, en fait. Parce que la personne qui stun et qui soigne en même temps, c'est un peu relou. C'est ça le problème. Packs laden with loot are often low on supplies. Tenez elle. Sans déconner. Ah, ils vont vite les antidotes, hein, comme ça. Hein. Non mais... Well struck. Ah, il résiste bien le saignement. Bon, au moins elle est passée devant, c'est déjà ça. Elle est plus facile à toucher, du coup. Mais bon. Faudrait que... Quand on arrêtera là, ce passage là, je crois que je vais aller voir pour voir quel objet on devrait prendre avec nous. Parce que il y a des trucs quand même qui sont pas trop utiles. Alors après, bien sûr, rien n'empêche de juste ne pas prendre les objets avec lesquels on peut interagir. Hein. Ça marche aussi. On va soigner un peu.
Bien, 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 bien. Bam, bam. Oh. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Un rubis. Pas la meilleure équipe. Après, une équipe avec du repérage serait pas mal. Là, on a combien d'argent? Là, c'est quoi? 12 x 500 à 4 x 750. Oh, pardon. 1200 là. 2005, 500. Bon, les contrats, oui, c'est sympa. Ouais. Non, ça va. Il y a les bandages, je pense qu'on va les virer, les bandages. Ouais, je pense que là, on est sur la sortie, en fait. On va faire encore 2 combats, peut-être, un truc comme ça, et on va partir. T'es quoi, t'es... Tiens. Wow, qu'est-ce que c'est, ça? C'est pas mal, ça. On a besoin de passe-partout. J'ai l'impression qu'on n'a même pas besoin de passe-partout, en fait. Le masque d'immunité. Je suis quasiment certain qu'on l'a pas, en plus. Ça me dérangerait pas de le prendre, en fait. L'herbe médicinale, c'est pour la nourriture qu'on peut trouver. Les pelles, on n'arrête pas de les utiliser. 2 stacks de pelles, c'était vraiment la bonne chose à prendre. Qu'est-ce qu'on prend? On fait ça, peut-être. Bon, allez, encore un combat et on se casse. Enfin, on va dans la salle, je crois, et on se casse. Même si j'aurais bien voulu avoir le stack plein, là, d'or, mais bon. Il est trop plein, là. Oh, on peut peut-être faire encore un run. Enfin, une salle, peut-être. Genre on s'arrête au moment où on doit récupérer des objets. Oh là, doucement. Alors. On va d'abord défoncer ça. Target, la marque. Wow. Est-ce qu'il... Non, pas le stun. Péché. Ça, c'est pute. Absolument tuer ce truc là. Très bien. On va mettre du saignement déjà pour commencer. Le problème c'est que là t'as esquive moins 50. Là, ça. Ça va faire mal. On va se débarrasser de toi le plus rapidement possible. Très bien, on a double esquive. Bam.
Ok, la marque, comme d'habitude, hein, c'est subjectif. C'est une marque subjective. Ah, donc du coup, bon, on la prend, on la prend pas. Hein, c'est comme on veut. Ok. Ça c'est fait. Maintenant c'est à toi d'être stun. Ouais, là il faudrait un soin en fait. Pour vraiment que ça soit bien, j'avoue que ouais. J'avoue que ça serait pas mal. Alors, on aurait dû peut-être marquer le flagellant, j'en sais rien. Ok, on est bon ou pas? Non, presque. Boum. Très bien. Joli. Vu qu'on fait pas de boss et que c'est plutôt lent et tout ça, je me demande si le bouffon il a vraiment besoin de ça. Parce que compétence de stress plus 20%, je suis d'accord, c'est cool. Mais bon. Genre, on peut peut-être lui mettre plus d'esquive en fait au final. Ça serait peut-être mieux. Là, il fait 14 par exemple. Il va faire quoi? Il va faire 11 si on lui enlève le 20%. Donc c'est pas trop grave. C'est bien pour les boss. Ça, je suis d'accord, mais après. Oh, cool. Pour un task well performed. Cool, cool. Ouais, là on va pouvoir partir, je pense. Ouais, on va s'arrêter là. Après, c'est un curio. On s'arrête au curio. Ah là, on s'arrête au curio, allez. Ouais, je vais réfléchir pour une équipe. Est-ce qu'on peut faire encore mieux que ça? Alors, on va dire que c'est bien pour l'argent en tout cas. Ça fonctionne bien. Mais du coup, ça nous pousse quand même à sortir plus souvent. Attends, vu qu'on ça va être notre dernier run. Juste au cas où s'il y a une grosse merde ou un truc comme ça. Non, bah y'a rien en fait. Ok, donc ça c'est le stress. Ouais. Allez, on sort. Ignorance of your enemy. And of yourself will invariably lead to defeat. Un petit 20 000, ouais, presque. C'est potable. Pour ce qu'on a fait, honnêtement, on n'a pas fait grand chose. On a vu un petit 20 000, c'est bien. Et puis 12 contrats, ça c'est cool. Et surtout des objets. Qu'est-ce qu'il a eu, Duriel? Obsession pour l'auto-vénération. Ah, c'est pas mal. I remember days when the sun shone and laughter could be heard from the tavern. Alors, sur ses gardes en permanence et hippocratique, trop bien. Ah tiens, un lépreux. Ouh, faiblesse, ça c'est chiant. Ça. Après, il a rien de très spécial.
ça peut être pas mal, parce que je crois qu'on en a pas. This man understands that adversity and existence are one and the same. Ouais, ça peut être pas mal ça. On a... ouais, on en a un niveau 2. Another soul battered and broken, cast aside like a spent torch. Voilà, donc du coup il faut repartir pour une invitation, mais c'est pas grave, comme j'ai dit, c'est pas grave. En plus on a récupéré un nouvel objet. Je suis sûr qu'on l'avait pas le masque là. Ils sont où les masques de lépreux? Là. On l'avait pas. Le masque d'immunité. Ça peut être vachement intéressant. Ça aussi, c'est vachement intéressant. Du cuir bouilli. Uniquement. Faudrait que je regarde du cuir bouilli. Parce que c'est y a dans les RPG et tout ça, machin. On voit souvent des armures en cuir bouilli. Je voudrais bien savoir exactement comment c'est crafté ces armes-là. Est-ce que c'est vraiment du... On prend des peaux de bêtes et tout ça, on le fait bouillir. Ça durcit le cuir, en fait, je crois. Je sais pas vraiment. Juste par curiosité, comment il faisait avant. Mais ça, c'est cool. 33% de PV en max, c'est énorme. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que cette équipe est sympathique. Au final, je pense que cette équipe est sympathique. On peut même mettre, comme j'ai dit, un peu plus d'esquive honnêtement sur lui. Là, il a quoi? Stress, il torche inférieur, charge de vertu. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? De l'esquive pure. Genre ça, ça pourrait être sympa pour lui augmenter la survivabilité. Par contre, c'est qui est infecté? Qu'est-ce qui est vampirique là? Du coup, il n'y a que Gwendoline. J'ai cru qu'elle aussi, elle s'était fait... mordre, non? J'ai dû le rêver. Il n'y a que Gwendoline. Donc on a des trucs en fait pour ça. Genre on a ça, c'est quoi? Donc là il aurait plus 75 de résistance au malus. Vitesse plus 4. Bon, le 10% en moins, ça c'est chiant. Mais la résistance au malus, ça c'est vachement bien quand même, je trouve. Bon, enfin bref. On va s'arrêter là. Je pense que c'était un bon run. Je vais voir si on peut pas l'améliorer en fait, utiliser un peu des meilleurs personnages et tout ça. Mais en tout cas, il va falloir qu'on aille farmer des invitations. Donc ça, on le fera plus tard. Est-ce qu'on a quelque chose à garder ou à enlever? Résistance aux infections. Ah, de poussière. C'est quoi ça, de poussière? Ah oui, c'est vrai que oui. Lui, il était un vampire la semaine dernière, là. Et on n'a pas pu le mettre là-dedans. Donc, parce que lui, il a plein de trucs chiants. Enfin, donc déjà, il a l'épité de corps vidé. Ça, c'était contre... C'était ça? C'était contre l'oiseau, ça. Après, de poussière, ça aussi, c'est super chiant. Infection et saignement, moins 10, ça, c'est horrible. Après le reste, je crois qu'on s'en fout. Ouais, ça c'est intéressant, mais... Ah non, ça c'est le truc, c'est le machin qui reste là. De toute façon, on peut pas en enlever plusieurs à la fois. Quoi. Donc ouais, pour l'instant c'est deux poussières en premier, et après on verra pour la suite. Toi, t'as rien à faire. Il y a la photo manie. Je me demande si ça vaut le coup de le garder au final, mais bon. Toi, t'as quoi? Le crit plus 2, c'est bien. La cupidité. On peut enlever la cupidité.
Non. Cupidité, médiation inaccessible, obsession pour le paranormal, diurne. Fascination pour les blessures et la torture. Cupidité, ça m'embête un peu, parce que si c'est lui qui ouvre les sacs et tout ça qui contiennent de l'argent et qu'on a, on a une antiquaire, on perd de l'argent en fait. Donc, je veux bien lui enlever ça. De toute façon, cette équipe, on va pas l'utiliser. On va utiliser quelqu'un d'autre. Toi, qu'est-ce que t'as à enlever ? Compétence de son campement, on s'en fout. Victime, maison close, option pour sainteté. Stress plus 1% si PV inférieur à 50%. Ça peut être problématique. Ça peut être problématique, on va l'enlever. Ok, il nous reste 58K. Ça, on l'a. Qu'est-ce qu'il nous reste? Excusez-moi, j'ai mal à la gorge en ce moment. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a la taverne à finir. Nous, on a récupéré des contrats. Je sais même pas si on en a besoin des contrats. Non, c'est les autres. On a besoin de portraits et de bustes. Donc, c'est complètement les autres, c'est bien. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est ça. Idol, amulet, or lucky charm. The simplest object can be a talisman against evil. Parce que maintenant, c'est vrai qu'on pourrait en acheter des biens, peut-être. Maintenant, on a un peu d'argent et tout, on fait attention. Ça peut être intéressant. En tout cas, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois? La prochaine fois, on fera du wild ou de la creek, encore une fois, pour le monter à 7. Tiens, j'ai pas ça. Casse-toi. Marée douce. Oui, mais ça, on s'en fout. J'essaie de voir si on peut pas récupérer des objets qu'on connaît pas et qu'on n'a pas. Peut-être ça. En plus, c'est un cours parce qu'on a des niveaux 5, en fait. Non, on a des niveaux 4 qui sont prêts à monter 5. Donc, pourquoi pas. Genre Woodville et tout ça, ça serait vachement bien qu'ils montent 5. Un maître d'armes, un deuxième maître d'armes. Ouais, on va peut-être faire ça. Et après, on ira farmer du... Bah après, on fera peut-être le boss du Will. Je sais plus ce qu'il nous reste. C'est quoi? C'est la sorcière? Non, la sorcière, on l'a déjà faite. Je sais plus. On verra. Je sais qu'il y a le canon. Je crois que c'est dans la crique, le canon. Le canon en champion, on l'a pas fait. Bah attendez, je peux tout simplement regarder, en fait. Attendez... Regardez par là, je crois. C'est plus facile. Ouais, donc le canon, champion, le pirate en champion. J'étais sûr qu'on l'avait fait. Bon, bah, le canon et le pirate, il reste plus que ça. Il reste plus que ça. Oh, on a fait des choses. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Allez, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.